Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Veuillez noter que le lundi 21 juin est la journée nationale des peuples autochtones et nous prions pour eux lors de cette messe. Lors de cette messe, nous prions aussi pour le repos de l'âme de Laurette et de Roméo Sauvé, pour le repos de l'âme de Ghislaine Majot, pour les âmes du purgatoire et le repos de l'âme de Simone d'Almeida, en action de grâce pour Magdalena, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue avec Roland. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis très heureux de vous voir physiquement à cette célébration. Alors, bienvenue à la maison. Alors, nous venons de chanter, crions de joie au Seigneur. C'est le moment de le faire pour dire merci au Seigneur qui nous redonne l'occasion de nous retrouver devant sa face, dans sa maison, pour chanter son nom et lui présenter nos intentions. Alors, on va commencer à le faire maintenant et puis on va prier pour que cette ouverture continue à s'agrandir et qu'elle nous apporte plus de fermeture. Voyez-vous ? Alors, ça sera aussi une intention dans la prière d'aujourd'hui. Regardez comment il fait beau. Nous commençons avec une très belle journée. Le Seigneur est de la partie. Et nous voulons aussi nous rappeler que c'est la fin de semaine de la fête des Pères. Nous allons le porter aussi dans nos prières aujourd'hui, tous nos pères, tous nos papas, et demander que le Seigneur les habite continuellement. Comme vous l'avez remarqué sans doute, il y a une personne généreuse qui nous a fait don des pots de fleurs. Ça coïncide bien, vous l'avez vu à l'extérieur, 3. Alors ça montre, en fait, c'est un accueil aussi, pour le jour où on revient bien, on est accueilli par de belles fleurs. Hein, aussi, c'est la fête de Père. On va remercier le Seigneur pour tout cela. Alors, au début de cette rencontre, très humblement, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour lui dire que nous ne méritons pas toujours d'avoir tant de ses grâces et de ses bienfaits. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur,
toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu as assis pour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de langue, le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je déposais verrou et porte, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici cédera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture, lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine si nous avons connu le Christ de cette manière. Maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'est en allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur toi et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. À mon avis, pour avoir toute la portée des lectures d'aujourd'hui, il faudrait se rappeler la mentalité ancienne, plus exactement, la conception ancienne du monde qu'avait l'Orient ancien. Pour les gens de la Bible, les forces du mal, les puissances diaboliques, était enfoui dans la profondeur des eaux. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième, personne ne pouvait les dompter, personne ne pouvait les anéantir à part Dieu. Ainsi donc, quand on relit la première lecture et certains autres textes
de la Bible, on a une meilleure compréhension. Par exemple, la première lecture. Dans la première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Job, le protagoniste Job, justement, essaye d'accuser Dieu. Il se révolte contre Dieu. Il dit, comment ça se fait-il que tu as créé un monde où règne le mal? Il accuse Dieu d'être responsable des malheurs et des souffrances du juste. Alors, la réplique de Dieu, c'est ce qui est reporté dans la première lecture d'aujourd'hui. Alors, Dieu lui dit, Job, au début de la création, j'ai mis des limites aux eaux de la mer. Seul Dieu peut le faire. Au début de la création, ce que j'ai fait, j'ai essayé de maîtriser le chaos originel. Parce que encore dans la mentalité, au début de la création, même dans la Bible, vous allez voir, il existait un chaos, un désordre notoire, général. Alors Dieu, en créant, a mis de l'ordre dans le chaos. Alors il rappelle à Job, attention, moi je suis Dieu. Alors, le mal ne peut rien faire contre moi. Alors, ainsi donc, quand Dieu se présente dans cette lecture, il montre qu'il domine les éléments de la nature, il écrase les forces du mal. Quand on part de la première lecture, on va à l'évangile. On comprend encore mieux. Voyez-vous, c'est la fin de la journée et Jésus est en train de faire la traversée du lac de Tibériade. En pleine traversée, comme dit le texte, un vent violent, une tempête puissante les assaillit, les surprend. Et Jésus dormait. Alors quand il est réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ordre au vent de se calmer. Et il dit à la mer aussi de se calmer. Il donne l'ordre aux éléments de la nature. Il donne l'ordre aux forces du mal qui sortent des océans, des eaux, des profondeurs des eaux pour envahir, pour déranger, mettons, pour mettre en déséquilibre le monde. Et lui, Dieu, les calme pour montrer que, en fait, Jésus, en donnant l'ordre au vent, en demandant à la mer de se calmer, il fait comme Dieu. Donc, c'est pour dire, de la même manière que Jésus donnait l'ordre aux mauvais esprits, aux esprits impurs, tais-toi, sors de cet homme. De la même manière, il donne l'ordre à la mer de se calmer et au vent de cesser sa puissance. Donc, cette partie de l'évangile, c'est le 4e chapitre de Marc. Il est en train de nous dire par ce texte que Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire parce que il peut maîtriser, il peut dompter les forces de la nature, les éléments de la nature, et il peut donner ordre aux forces du mal de s'en aller. Il peut les calmer, les anéantir. Mes amis, le christianisme est une profession de foi de la divinité de Jésus. La condition divine de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Si on enlève la divinité de Jésus, il n'y a plus de christianisme. Alors, toute la Bible, plus exactement, tout l'Évangile concerne la nature, l'identité de Jésus. Et vous vous rappelez cet évangile de Marc, au tout premier chapitre, chapitre 1, verset 1, Marc dit ceci, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, virgule, fils de Dieu. » Le titre. Donc il dit, je vais vous parler de Jésus-Christ qui est fils de Dieu. Voilà déjà comment il le montre ici, comment il est fils de Dieu parce qu'il est en train de dominer, n'est-ce pas, les forces du mal, il peut les écraser, les dompter, rien ne peut résister devant sa puissance divine. Mes amis, je crois qu'en ce dimanche, alors que nous sommes revenus à l'église d'une manière physique pour assister à nos célébrations eucharistiques, le message est fort. Nous rappeler que nous, les chrétiens et chrétiennes, notre foi consiste à accueillir Jésus comme fils de Dieu, comme Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons renouveler notre attachement.
nous allons demander l'approfondissement de notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour que nous comprenions que celui qui peut nous aider et puis qui montre la voie qui va au Père est celui en fait qui peut nous guider et reculer, faire reculer les puissances du mal qui veulent nous envahir. J'aime beaucoup ce que Paul dit en fait de son expérience spirituelle. Il lui dit, si on vient vous annoncer un autre Jésus-Christ que ce que nous avons appris, que Jésus-Christ est sauveur, qu'il est fils de Dieu, il ne faut pas croire. Même si c'est un ange qui vient vous l'annoncer, ce n'est pas vrai. La bonne nouvelle, le message chrétien, Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors comme Paul, nous allons dire aujourd'hui, ma vie, ce n'est plus moi qui la vis. Je vis ma vie aujourd'hui en la donnant au fils de Dieu. Voilà comment nous les chrétiens, nous pouvons comprendre aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Jésus est homme aussi. Il est homme pourquoi? Parce que dans la barque, il s'est fatigué, il s'est endormi, voyez-vous. Il avait travaillé toute la journée, dit le texte. Ce qu'il faisait au début, il donnait un enseignement au public, on peut dire aux foules, et puis il leur parlait surtout du royaume de Dieu, dans le chapitre 4. Ensuite, en privé, durant la journée, il continuait la formation de ses apôtres. Il devait encore leur parler en privé. Il continuait à les enseigner. Alors ce jour-là, il était KO, il était fatigué. Alors il dit, passons à l'autre rive pour que je me repose. Mes amis, vous et moi, nous sommes des êtres humains. Il faut se reposer. Ce n'est pas un péché, se reposer. Alors, quand tu as travaillé dur, tu as passé des heures de travail, il faut avoir l'équilibre dans l'horaire du jour. On fait des œuvres, on prend des heures pour la tâche du travail, c'est beau. Il faut aussi des heures pour le divertissement, des heures pour des tâches ménagères et familiales, c'est bien. Il faut aussi des heures pour dormir, il faut dormir. Jésus dort, voyez-vous, il dort dans la barque. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de médecins... La science aujourd'hui nous dit, l'un des fléaux dans le monde aujourd'hui, c'est le trouble de sommeil. Il y a des gens qui ont la difficulté, moi aussi de temps en temps, la difficulté pour dormir, voyez-vous. Donc il faudrait se préparer, s'organiser pour bien dormir. Quand on a bien dormi, alors le corps est bien reposé et le lendemain, il peut fonctionner normalement. Donc aujourd'hui, on va demander cette grâce-là, de prendre le temps pour se divertir. De prendre le temps pour s'amuser un peu, pour jouir de la vie. De prendre le temps aussi pour les tâches familiales. De prendre le temps pour la marche, etc. Donc c'est très important pour organiser notre vie. Vous vous rappelez, dans la Genèse, il est dit que Dieu a travaillé 6 jours d'affilée. Il a créé le 7e jour, repos. Donc il faut prendre le temps de se reposer. Déjà, apprendre à nos enfants que tout le temps on ne travaille pas, à un moment donné, il faut se reposer. Il ne faut pas faire le contraire non plus, ne fait que se reposer et puis on ne travaille pas. Mais aujourd'hui, on parle de l'équilibre. Donc il faut des heures de travail, des heures de repos, des heures de sommeil. Alors c'est ça que la grâce qu'on va demander pour l'organisation de notre journée, de nos journées comme chrétiens, chrétiennes dans le travail que nous faisons. La dernière chose, mes amis, c'est que Jésus-Christ qui est homme et qui est Dieu, est notre sauveur. La vie humaine est comme une traversée de lac. Nous partons d'une rive à l'autre. Nous sommes en train de traverser. Alors dans notre traversée, que des tempêtes que nous rencontrons dans la vie, que des vents violents qui viennent ballotter la barque de notre vie. Alors, ce vent-là, si nous restons seuls et que nous tournons le dos à Dieu, nous n'allons pas réussir de le vaincre. Il faut faire comme les apôtres, réveiller Jésus. On a l'impression de foi quand nous faisons face aux tempêtes, quand nous faisons face à des difficultés, quand nous faisons face à tant d'épreuves. Nous avons l'impression que Dieu dort, que Dieu n'est pas présent. Alors il faut avoir la foi des apôtres, continuer à prier, à crier fort pour que Dieu puisse calmer, n'est-ce pas, la tempête, pour que Dieu puisse intervenir. Donc, dans la vie d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous autres, c'est demander à Jésus d'entrer, de s'embarquer dans
la barque de nos vies pour justement aller devant et piloter, en fait, conduire notre barque pour nous conduire vers le royaume. Maintenant, dans notre vie, il y a tant de tempêtes. Premier exemple, c'est la COVID-19. Voilà la tempête qui a bouleversé la vie des humains sur la terre, monde entier. Et elle a changé complètement la manière de vivre, cette tempête-là. Complètement. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, il faut encore limiter le nombre. Et puis, il y a longtemps qu'on n'est plus venu physiquement. Et puis, on ne peut pas tout faire dans les parcs, etc. Donc, notre vie a été bouleversée par cette tempête-là. Et puis, la manière de s'en sortir, c'est demander que le Seigneur nous appuie, qu'il nous aide à travailler, à nous impliquer pour nous en sortir. Et c'est ce qu'on essaie de faire. L'autre chose, rapidement, une tempête qui est aujourd'hui encore, c'est ce dont parle beaucoup le pape actuel, c'est l'indifférence dans le monde. L'indifférence, voilà encore une autre tempête qui est en train de secouer l'humanité. Parce que on peut avoir certaines situations autour de nous et nous ne voyons que notre propre intérêt. Nous oublions de voir les souffrances des autres, les demandes des autres, les besoins des autres. L'indifférence. Si nous ouvrons la porte à l'indifférence, alors notre tissu social, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, va être affecté. Nous allons manquer de vivre notre humanité, de vivre notre fraternité. Une autre tempête qui vient, c'est peut-être le déclin de la pratique chrétienne. C'est encore une tempête qui est en train de balloter, de nous booster, à freiner notre barque, la barque de nos vies. Il y a aussi, moi je dirais, le problème de l'environnement, qui est une tempête actuelle, qui secoue le monde actuel. Voilà, nous avons besoin que Jésus intervienne, qu'il entre dans la barque de nos vies pour faire face à ce type de tempête. Un autre genre de tempête, ce sont nos colères, les tempêtes qui jaillissent de nous. La violence, la colère, l'indifférence, encore une fois, ça peut jaillir de nous. Alors, toutes ces forces internes-là qui peuvent venir de nous, eh bien, on va demander à Jésus de venir nous les aider à les dompter, à les maîtriser, pour qu'il nous apprenne à construire ce monde-ci, pour que nous participions à l'édification de la civilisation de l'amour. Alors, voilà le sens de la prière d'aujourd'hui. Nous allons demander que le Seigneur intervienne dans nos vies aujourd'hui, qu'il entre dans la barque de nos vies, qu'il prenne le gouvernail et puis qu'il nous aide à avancer et qu'il nous apprenne en même temps qu'il avance avec nous à nous changer, à nous transformer pour que dans ce monde-ci, nous fassions toujours le bien qui va contribuer à l'édification d'un monde meilleur. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sur le soldat, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, et ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis. Il va juger et rendre honneur
l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de COVID-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les enfants décédés à l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, et pour tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie, qu'il y ait une guérison fondée sur la vérité et que l'Esprit inspire notre engagement continu envers la réconciliation. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple choisi, peuple racheté, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Laurette et Roméo Sauvé, pour Ghislaine Majot, pour Simone d'Almedeida, et pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour la vie. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils pour écarter le mal de la vie. Il est notre sauveur. Nous allons nous tourner vers le Père pour qu'il intervienne dans nos vies et continue à guider la barque de nos vies. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Christ, le corps du 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 Christ. Thank you.
Quelques annonces rapides avant de partir. Comme vous l'avez entendu au début de la messe, même durant les prières universelles au Canada, le 21 juin, c'est la journée des autochtones. Alors, dans plusieurs paroisses, lundi, il n'y a pas de messe, mais ce que le diocèse recommande, c'est que toutes les familles chrétiennes dans leur foyer, eh bien, qu'ils fassent une prière, qu'ils aient une pensée pour les peuples autochtones que nous côtoyons, que nous voyons, et qu'il y ait toujours plus de communion entre les peuples, qu'on appelle les peuples autochtones, et nous autres. Ça, c'est la première annonce. La deuxième, vous le savez, demain, c'est la fête des Pères, ici à Saint-Rémy. Dans l'après-midi à 15h, virtuellement, nous invitons toutes les familles à connecter pour célébrer et honorer nos papas. Alors, si vous avez le temps, demain, dimanche à 15h, eh bien, nous serons tous et toutes présentes pour cette occasion-là. Vous savez que cette année a été dédiée à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est aussi le patron du Canada. En même temps, c'est le patron de notre diocèse ici, Ottawa-Cornwall. Alors, les évêques canadiens ont proposé une neuvaine de prière qui va commencer le 22, le mardi, du 22 au 30 juin. Et le jour du Canada, le 1er juillet, il y a cette prière qu'on appelle acte de confiance, qu'on fait à Dieu, qu'on fait à Saint-Joseph. Alors, j'ai écrit cela dans mon écho. Si vous voulez avoir des détails, même le texte, il faut aller à la conférence, sur le site web de la conférence des évêques. Peut-être que prochainement, je pourrai toujours vous envoyer à tout le monde le texte, comme ça vous pouvez faire la neuvaine, qui est une bonne chose pour le Canada, pour nous tous, nous toutes, pour que justement notre barque, la barque de notre pays, puisse continuer et faire face à n'importe quelle épreuve, mais continuer toujours à avancer pour la construction d'un monde meilleur. Alors, à la sortie, après la bénédiction, comme nous l'avons déjà fait, il y a deux portes de sortie, à ma gauche, à ma droite. Alors, à tour de rôle, en respectant la distanciation, après la bénédiction, vous pouvez utiliser les deux portes. Même aux deux portes, il y a aussi des bouteilles pour vous désinfecter les mains si vous les désirez. Prions encore le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.